YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je n'avais pas du tout prévu à la base de faire cette vidéo puisque c'était pas du tout dans mon planning. Sauf que j'ai lu hier soir Batman White Knight et vraiment je me suis dit il faut absolument que je fasse une micro vidéo dessus. Donc ça va être une micro reco, je vais appeler ça comme ça, c'est une mini vidéo. Je vais essayer de vous en parler vraiment très rapidement, mais j'ai pris une claque monumentale dans ma face avec ce comics, déformation professionnelle. Alors, pour recontextualiser un petit peu, j'ai toujours dit que j'avais du mal avec les comics, puisque comme je le dis à chaque fois, ce qui me dérange dans les comics, c'est le côté où ça change de dessinateur parfois en plein milieu de tome. Et ça, vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal de suivre une même histoire qui n'est pas dessinée par les mêmes personnes. J'ai aussi parfois un peu de mal avec le côté très sombre de certains comics, notamment ceux de Batman, et c'est vrai que ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est le côté où il y a 150 milliards d'univers alternatifs différents et qu'on n'a pas finalement qu'une seule trame directrice de l'histoire de Batman. Moi qui suis un peu psychorigide, c'est compliqué pour moi. Bref, j'ai pris des nouvelles résolutions cette rentrée scolaire, en me disant, écoute, tu peux pas te proclamer être une méga fan de Batman si tu ne lis pas un minimum de comics. Alors je vous rassure, j'en ai déjà lu dans ma vie hein, quand même, mais plus depuis un certain temps, et j'avais revendu tous les comics que j'avais. Donc celui-là, c'est le premier pour me remettre un petit peu dans le bain. Et quelle claque, mes amis, mais vraiment, ce comics est incroyable, il est incroyable. Alors juste pour contextualiser, ça c'est l'édition de chez Urban Comics, donc c'est l'édition Nomade, ce qu'on pourrait appeler l'édition de poche, puisqu'ils ont fait cette édition pour vendre entre guillemets des comics à prix mini. Donc par exemple, celui-là, je l'ai eu pour 5,90€. Donc ce qui est vraiment rien du tout pour une histoire extrêmement qualitative, en sachant que c'est en couleur, bien évidemment. Et que c'est quand même un sacré... Enfin, il y a au moins, je vais vous dire ça tout de suite, il y a 207 pages. Donc c'est quand même conséquent, ça coûte moins cher que certains mangas. Donc c'est vraiment, vraiment une occasion exceptionnelle. J'ai dans la même veine aussi acheté Watchmen et La Cour des Hiboux, dont je ferai probablement des reviews également. Mais celui-ci, vraiment, vraiment, pour moi qui n'ai pas lu non plus un milliard de comics, c'est incroyable. L'histoire est incroyable. Donc rapidement pour vous expliquer, c'est Joker, donc Jack Napier, si vous voulez le faire à l'américaine, qui est redevenu en fait normal. Il a perdu toute sa folie qui caractérise si bien le Joker. Il est redevenu une personne, on va dire, sensée, limite aimable et pleine de bonne volonté. Et il décide, en fait, de retourner Gotham contre Batman. Et c'est ultra intéressant, c'est ultra bien fait. C'est un thriller, parce qu'il y a quand même une ligne conductrice derrière. Il y a plein d'éléments qui s'ajoutent. Il y a pas mal des grands méchants de Batman qu'on va retrouver dedans, mais c'est surtout, moi je trouve, la psychologie du Joker qui est extrêmement intéressante, enfin de Jack Napier, parce que pendant toute l'histoire, on se pose vraiment la question de se dire est-ce qu'il a vraiment changé, ou est-ce que c'est toujours encore un énième plan du Joker pour nous entourlouper comme il sait si bien le faire. Parce que là, vraiment, dans l'histoire, il devient gentil, c'est-à-dire qu'il va voir les... Il communique avec les gens, il veut se présenter à la mairie de Gotham, il est redevenu très propre sur lui, il a enlevé son maquillage... Enfin, tout ce qui fait de lui ses caractéristiques du Joker. Et donc, il veut montrer à Gotham que Batman est plus un danger et un mal qui ronge Gotham que quelque chose de bien. Et donc, c'est toute cette lutte psychologique entre les deux. C'est toute la relation, vraiment, à la limite d'une relation amoureuse, en fait, qu'il y a. Et à un moment, au début de l'histoire, le Joker le dit. Il dit, en fait, on est un couple. On peut pas survivre l'un sans l'autre. Alors, c'est vrai que cette relation est très connue dans l'univers comics. Et c'est vachement bien fait. C'est vraiment, les auteurs l'ont extrêmement bien adapté. Alors d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'auteur c'est Sean Murphy. Et je vous le recommande un milliard de fois. Mais un milliard de fois, j'ai été extrêmement hypée par cette histoire. Les dessins, alors le dessin, j'ai eu un petit peu de mal au début. Et puis en fait, l'histoire est tellement, tellement prenante qu'on se prend complètement au jeu. Et je pense que pour le coup, White Knight, c'est un des grands classiques de Batman qu'il faut avoir lu. Mon copain Alex, Pelli de Post Comics, vous le dirait sûrement s'il était là. Mais c'est vraiment, si vous vous lancez dans le comics, si vous ne savez pas quoi lire, lisez celui-là, parce que déjà, c'est le,
c'est les mêmes dessins tout le long de l'histoire, donc ça c'est cool. Et vraiment, vraiment, c'est incroyable. Cette relation est incroyable, le dénouement de l'histoire est incroyable, je trouve que la manière dont les personnages sont amenés, tout est complètement sans dessus-dessous. Aussi, je précise, c'est la première fois de ma vie que je réussis à être émue et que je suis à deux doigts de verser une larme. Il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une grosse fragile qui pleure pour un peu, pas grand-chose. Et il y a deux fois dans cette histoire où j'ai été vraiment émue aux larmes, deux moments un petit peu émotion dans l'histoire qui m'ont beaucoup plu. Donc vraiment, micro-reco de la semaine. Lisez Batman White Knight, c'est génial. J'ai découvert qu'il y avait une suite. Merci à mon copain Antonin de me l'avoir dit, et également à Peli de chez Post Comics. Je l'ai bien évidemment commandée. Alors elle ne sera malheureusement pas à ce format nomade de chez Urban Comics, mais au format plus classique. Mais j'ai méga hâte de lire la suite, parce que si c'est aussi qualitatif que ce tome-là, trop bien, ça va être trop bien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Fan de Batman ou pas fan de Batman, du moins si vous aimez le personnage, si vous avez envie de lire un comics qui est pas trop, on va dire, éloigné ou dans des univers parallèles, lisez celui-là. En tout cas, moi, pour la lectrice, on va dire, novice de comics que je suis, c'est un énorme coup de cœur et c'est vraiment, on referme le livre, on est là en mode, mais waouh, c'était trop bien. Et surtout, c'est en ça que je soupçonnais qu'effectivement il y avait une suite. Il y a un petit cliffhanger à la fin, assez incroyable. Donc voilà, lisez Batman, lisez du comics, ne lisez pas que des mangas, même si les mangas, c'est hyper chouette. Lisez Batman White Knight.